Nous sommes réunis ce matin pour procéder à l'inauguration officielle du van Nina et Simone, qui a pu voir le jour d'une part grâce aux entreprises Amazon, Procter & Gamble et à la fondation EDF qui en ont assuré le financement, et d'autre part à l'État et au département de la Somme qui en assument le fonctionnement. Super positif, mais c'est comme pour aujourd'hui, là on parle des violences, mais aujourd'hui c'est la journée des droits des femmes, donc c'est la gagne quoi, c'est... On va rentrer. Je sens qu'aujourd'hui, tu vas oser être toi, femme, voilà. Qui me touche beaucoup. J'ai jamais vraiment rencontré de difficultés, mais je suis comme dans un milieu où effectivement être une femme n'est pas forcément toujours simple. Il faut toujours montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire, toujours montrer un petit peu plus.